Alors, salut tout le monde, bienvenue sur le canal de Miacide Comique. Aujourd'hui, on fait une autre revue de jouets de G.I. Joe pour cette fois-ci une figurine, la figurine de Bull, Dreadnought Torch. Ici, oui, la raison pour laquelle je fais la revue de cette figurine-là, c'est pour vous en montrer les détails. Écoutez, les Dreadnought, j'ai bien aimé quand j'étais plus jeune, là, Zartan et compagnie, et ces figurines-là m'ont marqué, donc les Matamors en français. Les détails sont très très bien faits sur celui-là. Par contre, niveau jouabilité, la série, dans le fond, qui est sortie dans les années 2000-2008, je vous dirais que c'est un petit peu moins intéressant. Du côté de la main, là, je vais vous montrer. Je ne sais pas si on va pouvoir bien voir à la caméra. La main, là, les doigts sont déjà refermés en position fusil. Donc là, si vous voyez, vous voulez mixer d'autres accessoires, là, c'est peut-être pas l'idéal. Vous voyez qu'il y a vraiment le doigt en forme là, de gâchette déjà placé. Donc de ce côté-là, c'est pas merveilleux. Je vous dirais Dreadnought Torch, c'est belle figurine, ça vient avec une belle plaque là, Cobra, avec l'inscription de son nom à l'avant, ce que je trouve quand même assez classe pour la série 2008. La figurine, comme je vous dis, c'est bien détaillé, vous pouvez voir en gros plan ce que ça donne. Les flexibilités, c'est bon, la pose aussi de la figurine, c'est quand même très très bien. Par contre, comme je vous dis, certains détails qui ont été peut-être faits un peu rapidement, là, les deux mains en forme de fusil, comme je vous dis, vous voyez, j'ai même de la difficulté à faire tenir son lance-flamme. Donc, je vous dirais que c'est quand même un jouet intéressant. Si vous arrivez à trouver la série de 2000 des G.I. Joe comme ça, je vous dirais que dans les alentours de 5 ou 7 $ chaque, c'est quand même très très bien si vous voulez les exposer comme ça. Par contre, côté jouabilité, là, c'est pas le merveilleux. Donc, vous seriez peut-être mieux d'aller vers les plus récents. Donc, ma note pour Dreadnought de la série 2008 G.I. Joe, le Dreadnought Torch, je lui donne un 7 sur 10. L'esthétique, c'est pas tout. Il faut quand même que ça soit amusant à jouer, et celui-là, je pense qu'on y était peut-être un peu trop dans les détails, peut-être pas assez dans la jouabilité avec celui-là. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas rien qui se projette. C'est vraiment une figurine simple, donc 7 sur 10. Merci d'avoir été là, à la prochaine!